C'est le favori, 1,60€. Et il s'en lance pour le Qatar Prix Foix 2023. C'est un groupe de courses qui peut servir de préparatoire au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Et c'est le numéro 5, Pleasant Jane, le Kazakh bleu clair, qui va venir s'installer aux commandes dès les premiers mètres avec Christophe Soumillon. Le numéro 1, Fénelon, avec Stéphane Pasquier. Kazakh Abeille se retrouve en deuxième. Place du Carousel découvre la distance. Elle est en troisième position. Le concurrent allemand, le numéro 2, San Marco, galope à la corde. Quant au favori, le numéro 3, Irésine, lauréat du prix Ganel, le tenant du titre, il a été placé à l'arrière-garde par Marie Vélon. Pleasant Jane a le meilleur avec une longueur devant Fénelon et Stéphane Pasquier qui regarde dans son dos. Il y a vu place du Carousel et Michael Barzalona, alors que le numéro 2, San Marco, galope à l'intérieur au moment où il passe derrière le petit bois. Il y a également Irésine, le numéro 3, qui est en dernière position. Toujours aux avant-postes, Pleasant Jane en deuxième position, Fénelon troisième, le 2, San Marco quatrième, le 4, place du Carousel avec toujours Irésine qui est en dernière position. Ils vont bientôt aborder la descente de la grande piste avec Pleasant Jane qui a toujours le meilleur. La jument qui est suivie par Fénelon et par le numéro 2, San Marco. En quatrième position, toujours place du Carousel et en dernière position, le numéro 3, Irésine. Petit peloton qui est emmené depuis le départ par le 5, Pleasant Jane devant Fénelon, accompagné par San Marco devant le 4, place du Carousel, alors qu'Irésine patiente toujours à l'arrière-garde. Pleasant Jane avec Fénelon qui vient à demi-longueur de l'animatrice, en troisième position toujours dans le sillage du leader, c'est le 2, San Marco, pendant que le 4, place du Carousel, est quatrième, suivi encore par le 3, Irésine. Ils sont ainsi dans la fausse ligne droite. Pleasant Jane, San Marco, Fénelon, ainsi que place du Carousel, et toujours le 3, Irésine, qui est en dernière position. Pour sortir de la fausse ligne droite, Pleasant Jane est là, avec Fénelon qui vient deuxième, devant San Marco qui est troisième, devant place du Carousel qui est quatrième, accompagné ensuite par Irésine. Ils accélèrent à 400 mètres du but. Pleasant Jane à l'avantage, San Marco est dans son dos, Fénelon qui progresse, place du Carousel qui vient à l'extérieur, et puis Irésine numéro 3 qui tente maintenant de refaire du terrain. Place du Carousel de mieux en mieux a pris l'avantage sur Fénelon. San Marco a trouvé l'ouverture à la corde. Irésine tente maintenant de repartir. Place du Carousel avec San Marco, avec Irésine de plus en plus fort. Place du Carousel avec Irésine. Place du Carousel qui va triompher devant Irésine, San Marco, Fénelon et Pleasant Jane. La victoire pour Place du Carousel dans ce Qatar Prix Foix. Elle domine le favori, le numéro 3, Irésine, hein, qui effectue après 4 mois et demi d'absence une bonne course de rentrée à Irésine, échouant à une demi-longueur de place du Carousel pour la victoire. Le cheval allemand, le numéro 2, San Marco, vainqueur du derby allemand l'an passé, et troisième et la quatrième place derrière pour le numéro 1, Fénelon, 4-3-2 As. Voilà pour la V chiffrée du Super 4. Place du Carousel qui s'impose dans une course qui était peu rythmée, 2 minutes 30.